Présentation de la technologie à bord de Skyway. Alors, j'espère que tout le monde m'entend. D'ici là, on est un peu en retard, on va débuter. Et je fais juste un signe. Ok, je crois que c'est bon. On va commencer par une petite vidéo, bien évidemment, afin de vous présenter les progrès de la technologie durant l'année 2020 qui s'est achevée. Et on voit que vous verrez que malgré la pandémie à COVID-19, cela n'a pas empêché certaines choses d'être faites. Alors, sans toutefois tarder, je vais vous présenter de quoi il est question. Alors, on voit bien que beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses sont à venir dans cette belle technologie à cordes.
Ok, super. Alors, je suis Donatien Gérard, investisseur numérique et leader à Skyworld Community. Dans cette vidéo aussi que je vais vous présenter, vous verrez les différents modèles de transport utilisés dans la technologie à cordes Skyway et aussi, bien évidemment, ces modèles avec leurs différents modes d'utilisation, à savoir pour le transport de passagers et le transport de marchandises. Alors, je vais vous laisser profiter. Transport urbain. Ouais, là, on a affaire à une unicar. 3 x 6 places. Toujours pour le transport, eh bien. Très joli modèle. Là, on a un unibus. Avec sa description, comme vous pouvez voir, nombre de places, vitesse. Unibus. Je veux bien que vous voyez les différents modèles et vraiment et que vous compreniez que nous sommes dans quelque chose qui est là pour révolutionner le monde du transport. Ceci, c'est pour le transport des cargos. Voilà le transport d'un conteneur qui est assez aisé et efficace. Voilà. Unibus à grande vitesse, ils viennent passer.
Super. Super. Alors, après avoir vu tout ceci, qui aurait cru, qui eût imaginé que tout a commencé en 2014, en 1914, autant pour moi, lorsque une usine de confiserie russe appelée Eniem a produit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. Et c'est ainsi, comme vous pouvez le voir sur l'image, qu'il a représenté notre monde dans un avenir proche. Il y a là une escapade à jouer avec un wagon suspendu. Il y avait plusieurs illustrations dans la boîte à bonbons. Et sur chacune d'elles, il a été représenté ce transport inhabituel. Que vous pouvez voir là, bien évidemment, désolé. Il a été représenté ce transport inhabituel que vous pouvez voir là. L'artiste avait donc prédit avec précision ce qui se passerait sur Terre, le pandémonium des personnes et des machines. Bien, dans l'illustration suivante, les voitures et les tramways entrent en collision. On voit que les gens courent en essayant de ne pas tomber sous les roues. Dans le ciel, on aperçoit toujours le même tramway céleste. Alors, c'est une situation qui ne nous est pas du tout indifférente avec le taux d'embouteillage que nous avons aujourd'hui dans nos métropoles. Et c'est notre monde. C'est le transport de niveau 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Faut savoir déjà qu'aujourd'hui, 1,5 million de personnes meurent d'accidents et d'accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Ce qui fait donc que les effondrements de transport affectent l'économie. Les ports surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont obligés d'attendre chacun à leur tour. Alors, ainsi donc, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne, à savoir le trafic dense des routes de transport, et la mort des personnes causée, bien évidemment, par le manque de sécurité. OK. En construisant des routes, l'homme envahit la nature. La nature, elle vit sa vie et résiste à l'homme. Bien évidemment, mais celui-ci est persévérant, tellement persévérant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Le carburant que nous voyons aujourd'hui et que nous utilisons beaucoup, c'est un poison pour la nature. La nature ne peut plus résister. Le prochain problème donc que nous abordons, qui est un problème majeur également, c'est la pollution de l'environnement. Cette pollution de l'environnement donc est très difficile et beaucoup de personnes, beaucoup de pays, beaucoup d'entreprises se battent aujourd'hui pour pouvoir résoudre ce problème de pollution de l'environnement. Et il faut savoir que le passage du transport moderne en électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie. Le fait est qu'en branchant une voiture sur une prise de courant, nous la connectons à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent à partir des combustibles fossiles et polluent également l'environnement. L'un des moyens de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Ainsi donc, nous abordons le quatrième défi qui est la réduction de la consommation d'énergie. Dans différents pays et dans différentes années et de différentes manières aussi, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre, plus haut, au deuxième niveau. Il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses et les ravins, les rivières, les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction d'une même route posé sur des piliers massifs. Et les énormes coûts de matériel sont évidents. Des tentatives de construire une route à l'envers ont été faites au siècle dernier en Allemagne. Et de nos jours en Chine, un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est la seule différence. Bien. Regardons cette photo qui date de 1950 et 1905. Elles n'ont jamais été classifiées top secret ni confidentielles. Mais pour une raison quelconque, jusqu'à présent,
personne, il faut dire, personne n'a combiné ces deux technologies. Le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent là, à ma gauche, la rivière, les simples roues rouleaux, pas de roues électriques, nous obtenons un transport nouveau. Ne confondez pas ce nouveau transport avec le périphérique et le funiculaire. Ces derniers n'ont pas leur moteur. Ils sont simplement tirés sur le câble. Les voitures du périphérique au-dessus de la surface du sol et le funiculaire sur le flanc des montagnes. Alors, le transport que nous allons examiner aujourd'hui a donc son propre moteur et sa propre structure de trajet. Bien, avant de débuter, j'aimerais que chacun d'entre nous lise cette phrase, cette assertion d'Anatoly Yunitskiy, concepteur général de Skyway. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Magnifique, n'est-ce pas? Donc, fixons le problème. Ici, le problème que l'on essaie de résoudre consiste à se déplacer d'un point A à un point B à la surface de la Terre. Bien, selon le schéma de production standard, lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune et la flore, ce qui cause bien de problèmes. Ensuite, on crée une fondation multicouche de 2 mètres sous la route et c'est seulement alors à ce moment que nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant. Pour éviter les travaux de terrassement lourds et la destruction de l'habitat, des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont, comme vous pouvez le voir. Bien, maintenant, rappelons-nous de la méthode utilisée par les enfants vus précédemment pour traverser la rivière, avec un câble tendu comme une corde. Imaginez-vous que, au lieu d'un pont lourd et coûteux, pour ne pas détruire la faune et la flore, on utilise plutôt un câble et on le pose au-dessus des piliers. Bien, les supports qui sont lourds ne seront pas nécessaires ici. Imaginez donc qu'on les remplace par des supports légers. Puis, on tire le câble. Ensuite, on fixe les extrémités du câble sur le sol. On enlève les supports qui ne sont pas nécessaires. Bien, nous plaçons notre câble dans une enveloppe et nous obtenons donc une structure de rail unique. Vous pouvez voir ici cette structure de rail en section. La composition et les éléments et les propriétés sont donc sur le schéma. On a là la remplisseuse, la tête du rail, les cordes à l'intérieur de l'enveloppe et on a le corps du rail. Et sur cette base, donc, il est possible de créer 3 types de structures de trajet, et chacune d'elles ayant sa propre tâche et ses propres avantages. On peut citer les structures souples, rigides et semi-rigides. Sur ce schéma, vous pouvez voir donc les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexible. Ce photomontage montre les aubans supportant le vrai pont. Les mêmes aubans peuvent être servis, peuvent servir de base à la structure du trajet à cordes. En passant dans ce cas donc, vous pouvez vous passez des supports intermédiaires dans l'eau.
La largeur de la rivière à cet endroit, qui est près de 600 mètres, peut être facilement bloquée par une seule travée. Bien, et ceci que vous voyez, ce n'est pas un photomontage. Non, pas du tout. Mais c'est une vraie photo qui a été prise en 2019 dans l'éco-technoparc de Skyway, près de la ville de Minsk, en Biélorussie. Une caractéristique distinctive des structures de trajet de rails à cordes est que les rails n'ont pas de soudure. Cela signifie donc que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier. Les tâches les plus importantes du transport de deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. L'absence de pilote et les passages au contrôle automatique éliminent l'influence du facteur humain. Bien sûr, la conception a un système anti-rail. Il est donc possible de réduire la charge sur le trajet et augmenter la capacité passante de la manière suivante. On peut diviser la composition en wagons automoteurs, séparer et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Ainsi, avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera pas difficile de résoudre ce problème logistique. Revenons aux photos de 1950 et de 1905. Ou plutôt, aux roues moteurs. Ceci que vous voyez est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues moteurs sont non seulement la simplicité, la compacité, la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. Vous voyez que nous sommes en train de résoudre les problèmes majeurs liés au transport moderne. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique de l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente considérablement, il faut le savoir. Les courants de vent complexes autour du corps de la machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation de carburant de celle-ci. Sur le transport de second niveau que nous proposons, le flux d'air d'au-dessus du sol n'a pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans les souffleries permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Voici l'appareil donc, qui a été présenté sur la figure précédente. En grandeur nature. Photo prise en Biélorussie en 2018. Il s'agit donc d'un minibus à grande vitesse. Bien, cette image que vous avez ici montre les caractéristiques des deux véhicules. Ainsi, le recalcul de l'électricité consommée par le poids du carburant liquide conditionnel. Bien, maintenant, rappelons donc les problèmes liés au transport moderne. Surcharge des voies de transport, manque de sécurité, pollution de l'environnement et forte consommation d'énergie. Dans ce diagramme, vous pouvez voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes. Le transport à cordes que Skyway représente, est peint en vert. On voit donc que Skyway a la solution la plus optimale, que ce soit sur le coût du transport, le coût des opérations, la consommation d'énergie, la capacité, le niveau de pollution de l'environnement, le taux d'accident est le plus faible possible. Alors, nous offrons donc une solution optimale. Bien. Le graphique ci-contre montre clairement l'avantage du transport à cordes par rapport aux autres transports existants, à savoir l'aviation, transport ferroviaire, maritime, routier.
Et voici donc aussi une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes à l'heure actuelle, à la fois opérationnels et projetés. Donc, nous pouvons dire que le transport Skyway de deuxième niveau est un transport léger, rapide, économique et écologique. À tout seigneur, tout honneur. Ici, c'est une photo d'Anatoly Yudsky, qui est l'auteur et concepteur de cette technologie Accor. Il a fallu 40 ans de recherche, de calcul, d'expérience pour que sa création voie le monde. Les détails de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés sur le site anatolyunitsky.ingenieur. Il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement intéressés et curieux avec des calculs détaillés sur cette technologie. Actuellement, il faut savoir que nous avons 7 modes de transport pour les passagers qui ont été développés, à savoir Uniwind, Unibike, Unicar, deux types de modèles, Unibus, Unibus et Unibus. On a 3 modèles d'Unibus. Alors, à côté de cela, nous avons 4 modèles pour le transport de marchandises, à savoir Unicorn, Unitruck, Unitruck, deux modèles, et Unitrans. Bien, le transport sur des rails à cordes se déplace au-dessus des routes et au-dessus de l'eau sans interférer avec les autres modes de transport. Il s'intègre facilement à n'importe quel environnement, occupant un minimum d'espace à la surface de la Terre. Comme vous pouvez le voir, ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux ne sont des obstacles pour ce transport. Pour le transport à cordes, il n'est pas nécessaire de niveler le terrain, de bloquer les voies de migration des animaux et de réduire et de détruire les couches fertiles du sol. Il a besoin de l'accès au sol le plus minimal qui soit avec les méthodes modernes de livraison de structures de construction par des drones volants. Et cela est aussi fourni par la technologie, bien évidemment. Il n'est pas nécessaire de poser des voies d'accès au site d'installation des supports. Le transport à cordes s'intègre donc facilement à la fois dans le paysage naturel et dans les infrastructures urbaines, ayant ses propres supports. Il peut traverser les bâtiments sans changer la fondation. Cette photo a été prise lors du sommet Neutrons à Berlin en 2018. Au début de 2020, le transport à cordes a été présenté à 18 grandes expositions internationales où il a toujours attiré beaucoup d'attention. Ces photos ont été prises en 2018, comme je vous l'ai dit, lors de l'exposition InnoTrans. Notez la photo en haut à gauche. Les employés du stand des téléphériques suisses et tous ceux qui sont présents regardent en direction du Skyway. Bien sûr! De plus normal, il est impossible de passer devant tel appareil frappant une forme futuriste inhabituelle. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, doit subir de nombreux tests d'essai. Les documents confirmant que le transport à cordes a passé les tests peuvent être facilement trouvés sur le site d'Anatoly Yunitsky, yunitsky.ingenieur. La technologie Accord a obtenu 83 brevets dans plus de 83 brevets dans 18 pays, des États-Unis à la Chine. Elle a aussi obtenu plusieurs certificats, brevets et aussi plusieurs récompenses. Ici, sur cette diapositive, vous pouvez voir un dixième des documents que l'entreprise a. Vous pouvez trouver tous les autres sur leur site web. Bien. Sans aucun doute, il est impossible pour une seule personne, bien évidemment, de mener un tel travail titanesque. Pour ce faire, la société Unisky String Technology a été créée en Minsk,
en République de Biélorussie. Depuis 2019, la société emploie plus de 1000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements et bureaux d'études. La propriété de bureaux et de production couvre une superficie totale de plus de 10 000 mètres carrés. Vous voyez qu'on a affaire à quelque chose de vraiment grand, quelque chose qui a un futur prometteur. Des gens y travaillent et nous savons que ce travail va être mené à bon port avec tout ce qui a déjà fait depuis, tout ce qui a déjà été fait depuis le début. Et dans sa propre production aussi, nous y trouvons 11 machines complexes qui ont été conçues et fabriquées, des marchandises, des passagers, et pour le transport urbain et interurbain à grande vitesse et à hyper vitesse, suspendues et montées, d'une capacité de 200 places, et d'une capacité de charge de 2 à 35 tonnes. 4 autres modèles, y compris dans la version tropicale, sont actuellement en cours d'exécution. Nombre de mines se trouve l'Éco-Technoparc, le premier site d'essai de certification et de démonstration de la technologie à cordes. La photo que vous voyez a été prise en 2016. Après 3 ans, cet endroit ne peut plus être reconnu, regardé par vous-même en 2019. Cette photo a été prise en 2019. Et chaque année, à l'heure de l'EcoFest, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce site pour voir de leurs propres yeux les réalisations et s'assurer de la réalité de tout ce qui se passe. Et à chaque fois, quelque chose de nouveau ici est montré. En septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation Sharjah aux Émirats arabes unis, dans l'Émirat de Sharjah plus précisément. D'ici la fin de la vidéo, je vais vous mettre d'ici la fin de la présentation du webinaire, je vais vous mettre une petite vidéo pour que vous voyez bien les plans pour Sharjah. Le centre d'innovation Skyway de Sharjah est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe Skyway lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Ces photos que vous voyez ont été prises en 2019 sur le site de construction de Sharjah. Ce sont des photos réelles. On a affaire à une technologie réelle qui est en train d'être mise sur pied. Les transports aux Émirats arabes unis. Le transport aux Émirats arabes unis sera une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans tous les types de zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que cela sera bientôt mis en œuvre. Regardez vous-même à quel point c'est vraiment quelque chose de magnifique. Dans un avenir pas si loin, le transport Skyway s'intégrera naturellement dans le paysage terrestre et ne nous surprendra plus, comme le fait aujourd'hui le métro ou le tram. Ils ne nous surprennent plus du tout. Ainsi donc, nous pouvons dire que le transport à cordes de Skyway, en résumé, est un transport innovant tout d'abord, parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant. Rapide, avec sa vitesse qui peut atteindre jusqu'à 500 km/h pour un unibus à grande vitesse, sûr, parce qu'on a éliminé déjà les facteurs humains, économique, parce qu'il permet d'économiser aussi l'électricité, facile à intégrer, il peut s'intégrer facilement sans avoir à détruire les fondations des bâtiments. Et l'élément le plus important, il est respectueux de l'environnement. Bien, voilà alors présenté pour vous cette fameuse et belle technologie à cordes de Skyway. Nous sommes donc parvenus à la fin de cette présentation. Mais avant de vous laisser, je vous ai promis une vidéo sur les plans de Sharjah. Donc, je vais mettre ici cette vidéo pour vous.
afin que vous puissiez voir exactement les plans prévus pour Sarja. Bien, ici. Regardez vous-même. Ça, le Centre d'innovation technologique et de recherche de Sarja. Construction faite en 3 étapes. Petit souci. Petit souci. Une base pour la recherche sur le développement de la technologie Skyway au Moyen-Orient. Alors, les amis, je vais vous laisser. Et avant de vous laisser, je vais vous mettre une autre petite vidéo. Pour ceux qui ne comprennent pas encore, qu'ils comprennent que le transport Skyway est un transport de nouvelle génération. Alors, thank you.